Hi, this is Paul Lawrence. Tuwanza AG of the Group in Tumane. Hello, I'm Ronnie Harris. Hi, this is Kevin Robinson of the BBQ Band. This is Leo Thomas. I'm David Romani from Chain. Hello, hello, les funky lovers. Ça y est, j'ai enfin choisi mes 5 albums préférés. Ça n'a pas été de la tarte, mais je vous partage enfin ça. Allez, bonne écoute. On commence avec le numéro 5, avec... Get Loose, Evelyn King, une merveille quoi. Perso, j'adore cet album et surtout I Can't Stand It avec cette basse. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que la basse pour moi c'est l'instrument voilà, parfait. Donc je vous laisse écouter ça. En production, on a Kashif bien sûr. Luther Vandross avec superbe album Gimme the Reason, tout particulièrement le morceau I Really Didn't Mean It, qui est une petite pépite que je peux me passer d'écouter, et forcément une production de Marcus Miller et Luther Vandross himself. Je vous laisse écouter ça. Avec l'album Visions et surtout le morceau, un de mes morceaux préférés dans l'album, Don't Make Me Run Away. Je crois que ce morceau à chaque fois il me fait danser quoi. C'est celui qui me met la patate. En intro, une ligne de basse de dingue. On continue avec la basse. Je vous laisse écouter ça et puis enjoy. Du Melba Balm Chéric, une patate, c'est purement orgasmique. Ça, c'est l'adjectif. C'est, pour moi, c'est une pépite. Dommage qu'il n'en ait fait que un. Mais je vous propose d'écouter un petit extrait avec This Must Be Love et enjoy. Composure's bare. Now I've lost my self-control. I had you cross the floor. Girl, I've never seen it cross like that before. Nous y voici. Donc, aucune surprise. Aretha Franklin, The Queen of the Queen. Hein.
Hein, je veux dire, high level. Pour moi, c'est la reine. Hein. C'est, voilà, parfaite. En plus, association, Marcus Miller, Vandross. Que demande le peuple, quoi. Du coup, je vous propose cet album, Get It Right, avec Every Girl Wants My Guy. Allez, bonne écoute. Adam pour sa demande de participation. En tant que fan dans le milieu de la funk, on n'est pas beaucoup, alors je suis contente de nous avoir représenté. Funky Weekend à vous.